Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai tes cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un panneau ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechSB. Je te souhaite une bonne chance, c'est une bonne vidéo. Hey bien, salut tout le monde, c'est FinTechSB, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, pour moi, j'ai vraiment super bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez surtout pas à tous vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et pensez également au petit pouce bleu, comme d'habitude, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait. Je vous invite à tous vous rendre dans la boutique d'objets, de faire la case, soutenir un créateur. Et de tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Cela me fait vraiment super plaisir. #AD. Merci à toutes les personnes qui penseront faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir 3 nouveaux tickets de remboursement gratuitement. Alors, première étape, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Là, du coup, je vais vous montrer que je ne possède pas plus de tickets de remboursement. Du coup, j'ai ici demande disponible 0. Comme vous pouvez voir, je peux faire aucune demande de remboursement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une demande de remboursement. Mais comme d'habitude, avant de commencer, code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Tiens, en première étape, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Et là, tiens, vous allez partir dans quête d'opinion. Vous allez vous mettre sur oui et recevoir des cadeaux. Vous allez vous mettre sur oui, c'est vraiment super important. Là, vous allez faire le bouton appliquer et faire le bouton retour. Une fois que ça c'est fait, là, vous allez faire une demande à Epic Games. Du coup, signalement et retour. Et là, vous allez faire signaler un bug, descend tout en bas. Objet cosmétique. Du coup, vous allez cocher la case. Mon objet cosmétique n'apparaît pas. Vous allez cocher la case. Et là, vous allez faire refaire la capture d'écran. Vous allez attendre quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire le bouton continuer et accepter. C'est vraiment super simple. Envoi du signalement à Epic Games. Là, vous allez faire le bouton fermer et vous allez vous rendre dans la boutique d'objets. Là, vous allez cliquer sur un objet que vous avez déjà. Du coup, comme vous pouvez le voir, je possède déjà ce skin. Là, je vais faire un cadeau vraiment super simple. Je vais choisir quelqu'un dans ma liste d'amis. Et du coup, juste à cliquer là, je fais paquet cadeau. Et du coup, je vais sélectionner un cadeau. Et là, je fais le bouton retour. Et là, je retourne au lobby. C'est vraiment super simple. Et je refais encore la même chose. Du coup, signalement et retour. Signale un bug, descend tout en bas. Objet cosmétique. L'apparence de mon objet cosmétique est étrange. Vous allez cocher la case. Refaire la capture d'écran, c'est vraiment super simple. Là, vous allez faire le bouton continuer et accepter. Une fois que ça c'est fait, envoie du signalement à Epic Games. Vous allez faire le bouton fermé, vous allez vendre dans vos paramètres. Du coup, ça va là, c'est vraiment super simple. Et dans demande disponible, vous êtes toujours 0. Et vous devez juste attendre 24 heures que Epic Games soit votre ticket et vous répondre et vous remettre vos 3 tickets de remboursement. C'était FinTechSB, en espérant vraiment que cette vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un petit pouce bleu si le glitch ne marche plus de votre côté. C'est-à-dire qu'il a sûrement été patch par Epic Games. Alors c'est pour ça, bien activer la cloche de notification. C'était FinTechSB, allez, ciao tout le monde.